Président va participer directement dans la constitution lisse et quand il s'agit de faire une grâce présidentielle. Il y a des instances qu'il a pour ça, au niveau du ministère de la Justice, qui même travaille avec les parquets de la République, et ces parquets-là qui soumettent le ministère de Justice dossier. Le ministère de Justice a cheminé dossier lui-même à cabinet président, mais bien avant d'aller dans le cabinet président, il voulait le premier ministre, puisque le premier ministre aussi va signer l'arrêté présidentiel. Donc, en ce moment, le président est la dernière personne à avoir signé. C'est pas lui qui fait l'islam, il y a un document qui vient dans la mail. Suivant critères qui étaient établis, équipe premier ministre, équipe ministre de justice préétablie, c'est à ce moment-là qu'il choisit Mounio et le président lui-même va le signer et arrêter jusqu'en dernier lieu. Donc, le président en lui-même pas capable d'introduire ou encore mettre dans l'islam ni Y ni Z. En plus, le président va connaître les prisonniers. Et même les gens qui ont libéré les prisonniers, ils ne connaissent pas en termes de personnalité. Parfois, ils surtout connaissent les dossiers des gens qui concernaient. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, il se trouve que y a OPC, qui est une instance étatique indépendante, qui traite les questions des droits humains dans sa globalité, qui attire l'attention des autorités sur le fait que dans l'ISA, il y a des gens qui sont des criminels. Dans l'ISA, il y a des gens qui pas à mériter pour y gracier. À ce moment, en personne responsable, le Premier ministre, le président de la République, Chita, il dit, ah, mais si, ça n'est ainsi, s'il y a eu des erreurs, il faut revenir sur cette décision, il faut tout au moins geler la décision. Donc, le Premier ministre discutait avec le ministre de Justice, il a demandé geler les décisions parce que il y a des erreurs qui glissaient et gel ça, son gel momentané. En attendant, ils continuent à observer et vérifier qui sont ces gens-là qui ont été graciés. Voilà la décision. Est-ce que nous avons dit, parce que vous souhaitez expliquer le clair là, ou dit c'est le parquet qui soumet le dossier à ministère de justice, à ministère de justice lui-même, lui-même, le premier ministre, non, et puis le président lui-même, lui signé arrêté à la dernière minute. Alors, est-ce que nous avons dit qu'il y a quelques procédures qui ne sont pas respectées à travers la libération ça? Premier, ça vous nous dit, c'est que le dossier a faussé peut-être par rapport à une méthodologie qui était utilisée, qui lui-même questionnable, à savoir, est-ce que toutes les instances, ou encore toutes les institutions qui concernent la question des droits humains, étaient concertées, ont été consultées dans des démarches, dans des décisions pour gracier les prisonniers. Bon, il se trouve que OPC dit pas de participer, qui sont institutions importantes. Et donc, ça vient de bailler des problèmes. Donc, c'est peut-être ça. Et pour résoudre le problème, non, pour questionner. Et pour faire une remise en question de décision, ça, autorité a demandé sur soi momentané. Donc, c'est peut-être ça, nous dit, le Premier ministre a demandé, le ministre de Justice, là, faire un campé momentanément sous libération de Mounsayo. Mais, pendant la parole, ça n'a pas dit pour autant, dans le niveau opérationnel de ces mesures-là, très probablement, il y a des avancées qui étaient faites. Suivant des informations que nous disposons, il y a des gens qui étaient libérés. Et dans certaines régions, dans certaines juridictions dans le pays. Eh bien, s'il en est le cas, il revient au parquet, il revient aux autorités compétentes, à la DCPJ, pour qu'eux-mêmes, ils appliquent, ils fassent ce que de droit. Ce que de droit veut dire que si des gens, ils étaient induits en erreur pour faire libérer et qui pas mérité grâce là, qui pas répondre à critères pour gracier Mounsayo, mais la justice, avec la police, doit arrêter Mounsayo à nouveau. Parce que il y a des critères qui est appris qui dit qui est sur le gracier et comment gracier Mounio. C'est pas de son coup de tête président Fell, c'est pas à partir de bonne volonté qui n'a qu'elle. Non, la loi dit qui est Mounio qui est capable de bénéficier grâce. La Constitution même statue sur ça, et peut-être la Constitution bah, y a une prérogative ça, qui c'est le président de la République. C'est pour protéger la société. C'est pour faire respecter l'ordre républicain que le président de la République, by Premier ministre, instruction, qui lui-même a ordonné au ministre de la Justice là, pour faire camper sous disposition ça concerne grâce pour plus de 400 personnes.
à ce moment-là, je nous dis, si vous êtes capable de gagner dans le niveau opérationnalisation de mesure-là, vous avez avancé, mais il a appliqué la loi pour que la décision soit capable lui-même, il soit solide. Mais pendant la palais, sans arrêter résidentiel, qui était gracié des prisonniers, il a dit aussi qu'il y a une décision officielle qui viendra et consolider et soutenir l'annonce du Premier ministre et l'instruction du Premier ministre. Donc, dans les prochaines heures, les gens verront ce qui va se passer.